Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball. Et aujourd'hui, on va réagir à une nouvelle fan animation, une sprite animation, réalisée par Unreal Intergaming, un YouTuber américain qui est très connu et que je kiffe personnellement. Et j'ai pas encore vu cette fan animation, donc on va la découvrir ensemble. Et pourquoi elle est intéressante? Puisque ça parle de la end, de la fin de l'arc Black Freezer, avant même qu'il ait commencé dans le manga. Et pour vous, et pour moi, je sais que vous souhaitez la même fin, que Vegeta tartine le fion de Black Freezer et donc termine enfin le tyran Freezer et venge le peuple Saiyan définitivement. Donc on va réagir dessus et puis à la fin je vous donne mon avis comme d'habitude. Let's go! C'est parti! Dragon Ball, the end of storied history, Black Freezer versus Ultra Ego Vegeta! J'aurais dû être commentateur en Amérique. Ou pas. Donc c'est parti, on commence dans une terre aride où il n'y a pas trop de végétation, mais il y a Vegeta. Allez, ça va être l'heure de mourir, Freezer. Donc il commence par le Golden. Donc là on est sur un Blue Evolution, je pense, de Vegeta. Ou c'est un Blue tout court. Je pense Blue Evolution en vrai. Hein. Je vois pas très bien les pupilles du coup, t'as compris? Okay. En tout cas, c'est ultra fluide pour l'instant. Un petit rayon de la mort. Une Death Ball. On est bien là. Canon Garrick. Ça me rappelle un petit peu les jeux GBA à l'époque, pour les plus vieux d'entre nous. J'en fais partie, les gars. Il lui demande de montrer son pouvoir qu'il a montré sur la planète céréale. Donc c'est bien le Blue Evolution hein, par rapport à la pupille. Allez, vas-y. Black Freezer. J'adore cette transformation. Ouais. Elle est magnifique, hein, pour le coup. Est-ce que tu es prêt à mourir? Allez, l'Ultra Ego. Et du coup, il a la boucle d'oreille, tu sais, ça fait partie du packaging de la transformation. Il a la boucle d'oreille qui apparaît. C'est marrant. Vas-y. Ouais. Pour l'instant, Vegeta se fait un petit peu victime. Par un moment, il va utiliser la fiction spirituelle, la technique qu'il a apprise chez les Yardra. Pour l'instant, c'est un match serré. Ok. Il n'y a pas de répit là. Hein. Kienzan, Final Flash. Truc de ouf. Oh, la petite vue FPS. Sympa.
Ah, donc là, il encaisse les coups Vegeta. Forcément, ça fait partie du délire de sa transformation. Faut qu'il encaisse des coups pour devenir plus fort dans la destruction. Dans le Wagamama no Gokui. J'espère qu'on va pas se faire troller, nous, les fans de Vegeta, là, pour le coup. Parce que si c'est Black Freezer qui gagne, je hurle sa mère. C'est un délire. Maintenant, imaginez-vous dans votre tête, là, ce même combat, mais en animation 2D. Oh là, le délire. Quelque chose qui se passe chez Vegeta. Ah, tu peux pas gagner. Tu vas mourir comme ton peuple, comme la planète Vegeta. Ok, donc là, Vegeta, il est parti, là. Chaque coup, c'est chaque Saiyan qui a été détruit par Freezer. Vas-y, défonce-le, mon gars. En tout cas, les OST derrière, ils sont sympas. Vas-y, tu vas crever, mon gars. Ça y est, c'est terminé? Non, c'est trop facile. Ah. Et là, on se rappelle de la résurrection of F. Fukatsu no F. Blablate plat, blablate pas, frère. Ah, parfait. Défonce-le. Rappelle-toi. Remember. Donc il a perdu sa forme de Black Freezer. Ah, j'adore. Et il termine par le Hakai. Magnifique. Parce que Hakai égale destruction totale. Plus de résurrection possible du coup. J'ai réussi. Finalement. Et... c'était incroyable! Vous le savez, j'ai toujours été admiratif des fans animation, même des sprites animation, puisque ça a son charme. Et pour le coup, le délire, le scénario me plaît forcément. Pourquoi? Parce qu'on est dans une conclusion qu'on veut Vegeta qui venge son peuple des Saiyans, qui l'aurait dû le faire dans Fuketsu no F. Et là, dans l'arc Black Freezer, c'est le moment de le faire. Faut que Vegeta termine en héros par rapport à Black Freezer. Et le Hakai est parfait, puisque c'est une destruction totale, disparition. Plus de Freezer, on termine, c'est fini. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Vegeta ultra ego maîtrisé serait plus fort, aurait une chance face à Black Freezer? Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt. Tchuss.